C'est parti. Ballet du pied droit. Fait la passe en poutre trésor. Je joue avec Kassosoula. Ça dissout. Mabélé. Félix Kabundi Chamalengue. Mabélé qui joue avec son gardien de but. Lems. Pied droit aussi. Avec Ngoï Mbomboko qui petit à petit est en train de s'affirmer davantage comme l'un des patrons de la défense du tout-puissant Mazembe Anglebe. Pamphile Miayo. C'est encore les premières minutes d'observation. Les deux équipes se connaissent très bien. Koulkouta Papala, un des anciens de cette équipe de Motema Pembe. C'est de là d'ailleurs qu'il est parti pour se retrouver aujourd'hui dans le tout-puissant Mazembe Anglebe. Koulkouta, du pied droit, entre deux adversaires. Ah, l'arbitre brille qui siffle. Je dis, il y a eu faute. Il y a faute de Kanda sur Koulkouta. Félix Kabundi Chamalengue. Pamphile Niayo. Pour son premier match du championnat national. Phase finale, allez. Alain Kaluituka Dioko pour Mabélé. Qui de très près ressemble à Janvier Bessala. Donc on joue la deuxième minute. 0 pour Motema Pembe qui reçoit et 0 pour le tout-puissant Mazembe qui est reçu. Ah, et là il a hésité un peu Mabélé. Et il y a les juniors, mais c'est pour une sortie en touche. Mais pas suffisamment de ballons au niveau de ramasseurs. Ce qui signifie autrement que beaucoup de minutes vont être arrachées comme ça aux deux équipes. Il y a déjà trois ramasseurs qui n'ont pas de ballon du côté de la tribune centrale ici. Il y en a même quatre qui n'ont pas de ballon. Et c'est pas normal. Alors pourquoi on les a ramenés pour qu'ils soient là tout au long de la ligne de touche. Ngoï Mbomboko. Pour qui le ballon n'arrive pas à Alain Kaluituka Dioko. L'ami. Non, Ngoï Mbomboko. Le ballon en touche au bénéfice de Motema Pembe. C'est plutôt Ebunga qui effectue la remise en touche pour son capitaine Bokese Gladys. Un international aussi. Pamphile Niayo pour Koulkouta. Il était suivi de très près par Yemouni Ngidi, Jean-Jacques, qui a 11 buts maintenant, qui a 8 buts plus tôt. Qu'est-ce que je raconte, 3 buts. Attention, belle balle. Non. Non. Le premier assistant, Justin Mayabouana du Bakongo, signale le hors-jeu de Mputu Mabi Trésor, mais lui il refuse. Il dit ce n'est pas vrai. Ne me racontez pas des histoires. J'avais bien surveillé mes adversaires. Alors on va repartir sur ce coup franc avec Bokese Gladys pour Mabélé. Balle aérienne pour qui de la tête. Alain Kaluituka Dioko, que va-t-il faire dans la surface de réparation. Et la logette. Troisième minute de la partie. La partie est très loin de se terminer. Faute de Kanda. Alors qu'il y a un autre joueur de Mazembe, je vais voir de qui il s'agit là. Peut-être Pamphile Niayo, on va voir.
je vois autour de lui Balé, Kabundi. Il se relève, c'est Kalu Tuka Dioko. La partie momentanément arrêtée pour son premier but dans ce championnat national. Alain Kalu Tuka Dioko l'obtient en cueillant à froid le gardien Dombassi, alors qu'il est en train de recevoir le premier soin avec le docteur Poulou. Le coup franc va être joué par Kulkuta. C'est plutôt Kabundi pour Kulkuta. La cinquième minute. Sûrement Kalubumbashi dans toute la province du Katanga, fief du tout-puissant Mazembe Anglebert. On est sûrement en train de jubiler, on s'attend encore qu'il y ait d'autres buts du côté des Corbeaux. Et attention, c'est une partie de football. Et là, sûrement que le président de cette équipe, le tout-puissant Mazembe Anglebert, le président sponsor, Moïse Katumbi Tchapoué, ne peut que se frotter le main et souhaiter ardemment que son équipe arrive à la victoire finale dans cette rencontre avant d'aller retrouver les Zimbabwéens de Buenafrica chez eux le dimanche prochain. Alors que là, il y a un très bon coup franc. Un bon coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. Et Bunga, Bokese Mabele pour le mur. Du pied droit, Bokese Gladys va tâcher à repliquer. Il s'élance, c'est parti. Ah, complètement raté par le capitaine de Motema Pembe. Deux équipes qui se connaissent très bien. On repart. Goïb Bomboko cherche son gardien de but. Lems. Je rappelle que ce match compte pour la troisième journée de la Lina Foot. Kokola Manopi, un ancien de Virunga. Phil Niayo, pour qui? Elle n'est pas courte, Boutouba Bitrésor, peut-être pour le deuxième but. Non, le ballon a été poussé très fort. C'est vrai qu'il y a une certaine